Africa Sport 24 ni farakulu ñenege kuna funu djicugo kuraye réseaux sociaux Nico Africa Sport 24 afin le grain des aigles du Mali anim farakulu ñenege kuna fulu wéréw ka daw bela djini kloka Africa Sport 24 ni djemu ngay mena lacé awma Facebook ani YouTube kan min labena abal manke sule kulubali ani Ibrahim Tungara fe Africa Sport 24 farakulu ñenege kuna funu lacé ko ñuma. Bonsoir à tous les abonnés d'Africa Sport 24. Bienvenue sur le plateau du Grain des Aigles. C'est Ibrahim Toukara avec Souley Koulibaly, Ousmane Bokoum et puis Drissa Nyono. On est plein aujourd'hui. Hein? Tout le monde est là. Donc, c'est ça. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, c'est spécial U23 avec la publication de la liste. On va venir en détail hein, sur les 18 plus 4 joueurs qui vont représenter donc, le Mali au JO de Paris. Drissa, bonsoir, ça va bien? Tu es assis à l'aise là? Ouais, bonsoir, bonsoir Soulé, bonsoir Ousmane, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. C'est ça. Soulé, hier, il y a eu cette publication de liste. Hein. Il n'y a pas trop de surprises quand même hein, dans ça. Ibrahim Diouf, tu es à quelle heure là-bas? C'est pas hier. C'est ce matin. C'est vrai, c'était ce matin. Vous savez, la journée est tellement longue là. Pour moi, là, c'était à quoi? C'était à 4, 5 heures du matin ou autre que vous avez fait. Là, vous avez même oublié. Bonsoir Ibrahim, bonsoir Drissa Diouf, bonsoir à Ousmane et bonsoir à tous les folies d'Africa Sport 24. Bonsoir Soulé, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. C'est ça, il faut nous excuser, on devient vieux. Hein. Comme mes enfants disent là, mes enfants me disent, tu commences à devenir comme ton père, attention. Hein. C'est ça. Donc on va décortiquer cette liste. Mais avant ça, on va parler aussi un peu de l'actualité hein, qu'on a aujourd'hui. Avec d'abord cette rumeur de transfert hein, de Moussa Dienepo vers Tel Aviv. Hein. Ousmane, c'est une nouvelle qui est un peu surprenante. Hein. Bah, bien sûr, déjà que même son prêt à la base en Turquie qui avait été annoncé était quand même quelque chose d'assez surprenant. Mais bon, je me disais que c'était un rebond. Et finalement, pour aller encore dans une visibilité encore moindre que la Turquie, en Israël, je ne sais pas c'est quoi l'objectif. Après, aujourd'hui, je pense que les joueurs, ils ont beaucoup plus des objectifs de contrat que des objectifs de visibilité de club et de vouloir performer. Donc, des fois, il y a des choix qu'on a du mal à comprendre parce qu'on n'a pas la tête dans leur contrat et dans leur privilège de signature. Donc, c'est vrai que d'un point de vue sportif, c'est incompréhensible, mais peut-être que d'un point de vue contrat, ils s'y retrouvent et c'est peut-être la raison pour laquelle il a choisi d'abord. Il va en tout cas. C'est ça, Drissa. Quelle information toi tu as autour de cette affaire de Maccabi Tel Aviv pour Non, en fait, c'est que aujourd'hui c'est Maccabi et le Standard de Liège qui sont tombés d'accord. Maintenant, il faut attendre l'avis également du joueur, parce que comme Ousmane l'a évoqué, c'est que le Standard ils ont le problème. Et les problèmes ont commencé depuis la fin de la saison dernière. Et donc, Moussa, en tant que porte-parole de ses coéquipiers et le salaire également qu'il a au niveau du club, je crois que vu les soucis financiers que le club a, donc, il était à la recherche. Le club est à la recherche de dégager des budgets. Et Moussa également est à la recherche d'un club dans lequel il veut également, il peut avoir le temps de jeu et jouer. Maintenant, comme Ousmane a dit, malheureusement, c'est qu'il se trouve aujourd'hui que nos joueurs, ils ont ambition club pour gagner de l'argent et non ambition sportive au fait. Donc, c'est ça le problème. Maintenant, là, c'est le Standard et le Maccabi qui se sont mis d'accord. Maintenant, le joueur, je ne sais pas s'il est d'accord pour ça. C'est pourquoi le journaliste qui a partagé, j'ai échangé avec lui et il m'a fait savoir que c'est le club qui est tombé d'accord avec le Standard de Liège parce que le Standard
à des difficultés financières et veut encaisser de l'argent. Mais maintenant, il faut attendre l'avis du joueur. Et je pense que ce n'est pas encore fait. Et c'est quand le joueur aura donné son accord. Parce que quand tu regardes, on dit que c'est entre guillemets Maccabi qui prendra en quelque sorte la grande partie de la masse salariale. Donc là, c'est des discussions à avoir avec le joueur, tout, comment il sera payé, tout. Donc je pense que ce n'est pas encore fait. Même si l'accord il existe entre le Standard et Maccabi. C'est ça. Merci Drissa. Ousmane, il y a aussi cette information qui envoie Falaï Sakho du côté de la Russie. C'est un peu surprenant aussi hein, parce que c'est un joueur qui était quand même qui avait une bonne cote en France hein, avant il y a 6 mois. Donc là aussi, il part apparemment dans un club russe. Comment tu as fait ça? J'ai pas bien compris la question à la fin. Ça a bugué. Falaï Sakho. Ouais. Attention, parce que des fois, on t'entend plus. Vous m'entendez? Ouais, des fois, on t'entend, des fois, on t'entend plus. Ouais, moi, je t'entends. Hein. Ah, ok. Ok, donc, Joseph Falaï Sakho, apparemment, il est sur le départ pour la Russie, lui aussi. Mm-hmm. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu penses de cette destination pour lui? Mais que ce soit Falaï Sakho, je pense que déjà, c'est étonnant, parce qu'à mon avis, comme tu l'as si bien dit, il avait des touches en Ligue 1, et je pense que même aujourd'hui, Falaï Sakho, il a certainement encore la cote au Portugal, et même dans certains clubs d'Europe, encore un peu plus huppé que la Russie. Mais je me pose, après, peut-être que je vais trop loin dans mon analyse, mais je me pose quand même des questions. Quand on entend que, il y a 3-4 jours, c'est presque fait pour Sekou Koïta à Everton, et que du jour au lendemain, il se retrouve au CSK Moscou. mais je pense que comme n'importe quelle manière... En parlant de ça, c'est une déclaration de Soulé en partant à Kabbalah l'autre jour qui m'est revenu en tête. Ah bon. Mais après, je me pose la question comme tous les manières. Il faut dire l'histoire en entier. Il faut pas dire non, il parle de moi. Tu sais... Souvent, il y a beaucoup de lobbying autour de footballeurs. Tu vois, tu vas trouver que c'est un exemple. Hein, un joueur qui joue en France en Ligue 1, ils vont te dire que voilà, il va aller jouer au Bayern de Munich ou au Real de Madrid. Ok, toi-même, tu sais que c'est pas le même niveau ni rien. Voilà, en fait, il y a des lobbying qui te touchent. On va pas dire la page. J'ai donné un exemple. Parce que la dernière fois qu'on partait à Kabbalah, on parlait d'un joueur dont je vais pas citer le nom. On va parler du Bayern de Munich. J'ai dit à Drissa, mais ça, Drissa, pardon, il faut pas nous insulter là. Nous, on sait tous que c'est pas le Bayern de Munich. Hein. Voilà, c'est des lobbying autour pour faire tout ça, quoi. Voilà, donc il faut comprendre ça comme ça, quoi. Ouais, après c'est possible. Mais je pense qu'un Sekou Koïta à Everton, c'était pas quelque chose de Everton, ça reste Everton. C'est pas un grand club d'Angleterre aujourd'hui. Ça joue la descente presque toutes les années. Je pense que potentiellement c'était faisable. Il y avait pas, en plus, il arrivait gratuit. Il y avait pas de raison. Mais là, surtout, ce qui est surprenant, là, on part dans le sens inverse, c'est que aujourd'hui, le football russe, il est fermé de partout par rapport à la situation de la Russie politiquement. Donc, comment les joueurs maliens se retrouvent à partir facilement en Russie? on a même tous à se poser la question. Pour moi, c'est Hassimi qui Poutine lui a dit tu me dois quelque chose. Il envoie 2-3 gars. moi, je sais pas que s'il est parti au Spartak au CSK Moscou, il aura aucune visibilité là-bas. Encore pire qu'en Autriche. Il va payer Cola. Soit il va payer 3 pentades. On n'a rien dit. Ça n'engage Ousmane. Non, je m'engage que moi, en tout cas, la question, je me la suis posée tout à l'heure. J'ai fermé les yeux, j'ai vu les images de Poutine aller demander le service. Bon, en tout cas, j'espère qu'il a eu le contrat qu'il voulait et malheureusement, on n'aura pas l'occasion d'avoir une grosse visibilité sur lui cette année et les années à venir. Mais j'espère qu'il fera son boulot et qu'il reviendra dans un championnat plus huppé par la suite. Lui, comme s'il fallait Sakho, ça se fait aussi. Mais ça, on verra. Il y a aussi une rumeur hein, qui court. Hein. Moi, je vais dire toutes les rumeurs avant de donner un peu mon opinion. Hein. Il y a qui envoie Elfeno du côté de Lens. Elfeno, hein, parce que pourtant, il avait commencé à avoir du temps de jeu à Wolverhampton en fin de saison et il a fait quelques bons matchs. Hein. Qu'est-ce que ça aussi on peut interpréter à ça, Ousmane?
du retour d'Elfeno. Moi, je faisais partie de ces gens en fin de saison. Je disais que par rapport à la fin de saison dernière de Elfeno, je considérais qu'il avait eu la possibilité d'avoir du temps de jeu et que si aujourd'hui il se battait avec les mêmes armes que les autres, parce qu'il est revenu de la CAN, il a eu un petit temps d'adaptation et finalement il a joué. Je me dis pourquoi il partirait. Maintenant, de vous à moi, Lens, c'est quand même un club huppé qui est redevenu un club huppé en France et C'est qui a vrai. des ambitions. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Elfeno, on est sûr qu'il aura peut-être de la visibilité à Wolfsburg, mais on n'est pas sûr de son temps de jeu. Alors que j'imagine que s'il arrive à Lens, c'est certainement pour jouer sa carte de titulaire dès le départ. Donc, est-ce que Lens, ça pourrait être un bon tremplin pour lui? D'autant plus qu'il est arrivé à Metz et il n'a pas eu l'occasion de se faire beaucoup voir à Metz. Donc, pourquoi pas tenter sa chance à Lens? Et pour moi, ça peut être un bon projet. C'est un bon club, Lens. C'est vrai que Lens, c'est un bon club, même si pour moi, je pense qu'il commence quand même à s'imposer en Angleterre. Moi, j'aurais préféré rester à Wolverhampton, hein, s'il joue. S'il Ouais, joue, s'il je joue, le c'est clair. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. C'est ça. Maintenant, globalement, moi, sur les transferts qu'on a pour le moment, ben moi, c'est un retour sur terre, hein, pour les supporters maliens, hein, parce que moi, je pense qu'on a tendance à mettre nos joueurs où ils ne sont pas arrivés. Et d'ailleurs, Ousmane, on avait cette conversation en Moi, privé, hein, pour moi, dire j'avais déjà que, mon tapis par terre depuis longtemps. voilà, parce que on tend à mettre nos joueurs à des endroits où ils ne sont pas. On voit que même si Kukuita est sans contrat, il n'a pas des clubs dans le top 5 européen, même des clubs relégables. Il est obligé de partir en Russie. Et voilà, le CSKA, ce n'est pas le CSKA d'il y a 10 ans, hein, où il joue en Ligue des Champions. Hein. C'est un CSKA Exactement. qui est un club de milieu de tableau en Russie. Hein. Voilà, ils ne sont même pas dans le top de la Russie encore. Hein. Donc, c'est les réalités, en fait. C'est les réalités. Dzeneko, voilà, il n'arrive pas à être même ciblé, hein, même en Belgique. Hein, voilà, il n'arrive pas. Voilà. Donc, en réalité, nos attentes et l'effectif qu'on a, peut-être qu'il y a un décalage, moi, je pense, parce que en réalité, on avait de très bons espoirs, jeunes, mais très peu, en fait, ont passé le palier. Je dirais même beaucoup, pour ne pas dire flop, pas peut-être pas des flops, peut-être le mot est dur. Mais en tout cas, ils n'ont pas matérialisé le potentiel qu'on voyait en eux et les attentes qu'on avait envers eux. Donc, moi, je pense que c'est aussi une des difficultés de la sélection Moi, je actuelle. dirais même flop, hein. Je pense que tu peux utiliser le mot flop. Tu sais pour quelle raison j'utiliserais le mot flop? Parce que ces mêmes jeunes sur la scène continentale et mondiale, ils ont été du niveau de n'importe quelle nation, de grande nation de ce monde au final, que ce soit l'Espagne, le Brésil ou tous ces. Mais quand on regarde aujourd'hui tous les effectifs de ces grands pays que le Mali a concurrencé et où ces joueurs sont aujourd'hui. Quand je vois par exemple que le match du Mali contre l'Espagne, où on perd 3-2, j'ai regardé des images encore tout à l'heure et il y avait un but de Ferran Torres. Ferran Torres, il est au FC Barcelone et il joue en équipe d'Espagne aujourd'hui. Donc forcément, par rapport aux attentes qu'on espérait de eux, selon ce qu'ils ont montré, je considère que c'est un flop. Parce que si c'était des joueurs lambda, on dira qu'ils ont eu une carrière. Ils ont une carrière. Mais je suis désolé qu'à un moment donné, il ne faut pas se minimiser. Sur la scène mondiale, ce n'étaient pas des joueurs lambda. C'était des joueurs qui avaient le même niveau que ceux qu'on voit au plus haut niveau aujourd'hui. Un Julian Alvarez, avec l'Argentine, on ne l'a pas vu contre le Mali. Alors que c'est Cucuita, il a explosé de son talent contre l'Argentine. Donc aujourd'hui, Julian Alvarez, il a tout gagné. Il est champion du monde, champion d'Europe, Ligue des champions. Et nous, on a ces Cucuita qui part à Moscou. Donc, il ne faut pas qu'on ait peur des mots et qu'on dise la vérité. Selon ce qu'on attendait d'eux, c'est des flops. C'est ça, en tout cas, Et ils y n'ont a pas Fatim qui vous matérialisé. parle. Hein. Fatim dit que vous faites votre émission pour les Maliens ou pour les Français. Ah, Bon, moi, comme je suis elle-même, trop elle écrit en français, non, je pense, Fatim. Donc, voilà. Voilà. Non, C'est une Ibrahim, réponse à ta on question. peut écrire en français et ne pas comprendre hein, Ah ce qui bon? se dit sur le Non, plateau. non, C'est tu peux possible, hein. pas écrire si tu ne Ah, vois pas ce que tu es en train ça c'est la magie noire, ça. de Non, Non, Fatima, on va essayer à trois Ousmane, fois, comme on a tu hein. vois, on entend ce qui se dit en français, mais on ne comprend pas. Il y a cette Non, possibilité-là c'est aussi. vrai. Ouais, mais La écrire. vérité, voilà. Le problème, c'est quoi? C'est que, comme vous avez constaté, hein, sous les drissas sont moins fréquents, hein, pour différentes raisons. Donc, Ousmane ne parle pas Bambara. Hein.
Donc, c'est un peu C'est difficile de ça. faire des émissions en Bambara. D'accord, Donc, amène à photo d'Ungana. voilà, Mais il selon faut. les radios Après, internationales, je vais honnêtement, commencer je dois faire des Bambara. efforts. Honnêtement, je dois faire des Voilà. efforts à moi Non, aussi. tu fais Et comme un faux Bambara, mais tu as Bambara là, parce que voilà, fin de semaine, Donna, c'est encore, donc on n'a pas pu continuer comme on l'espérait, quoi. Ibrahim, même Tol m'a dit avant-hier de te dire tiens, de faire l'émission à Bambara. Non, parce que c'est vrai, mon Bambara, il faut se dire la réalité, hein. Beaucoup d'audience hein, aiment le Bambara, hein, parce que C'est clair. beaucoup, voilà, ils comprennent pas toutes les informations, hein, ça c'est légitime. Donc, on le comprend, mais il faut comprendre que c'est pas toujours facile de faire des émissions. C'est ça. Donc, on a fait un peu le tour des choses, on va rentrer donc dans le vif du sujet, hein, comme c'est en fait c'était ce matin. Hein. C'était pas hier, donc excusez-moi, je perds la mémoire doucement. Hein. Donc, Lui d'une perte de mémoire, Ibrahim. voilà. Donc, donc, on a eu finalement hein, la liste de coach Conti. Une liste, donc, comme c'était prévu, un 10 joueurs avec 4 réservistes. Donc, vraiment, Ousmane et je veux dire, Soule et Drissa, on a besoin de votre assistance ici, hein, parce que nous, on ne connaît pas tous ces joueurs locaux, hein, quelques joueurs locaux qui sont dans la liste, même si en réalité, c'est une liste qui n'a pas de surprise. Hein. Je ne sais pas pourquoi les gens sont très déçus, hein, Avant? parce que moi, je ne vois pas de surprise dans cette liste. Hein. Pratiquement, c'est les joueurs qu'on a l'habitude d'appeler. Hein. Le coach a Ah. construit une équipe autour de ses cadres, hein, quand même, il faut le dire. Bon, on en Donc, nous, on pouvait parlera. toujours espérer autre chose, mais voilà. Donc, on va commencer hein, d'abord par les gardiens de but avec Oumar Koulibaly hein, du COB et Lassine Diarra de l'Olympique Lyonnais. Bon, Lassine Diarra, c'était le numéro un depuis longtemps. Hein. Donc, il y a Ali Rango qui était venu en renfort, mais malheureusement, Ali s'est blessé. Il est retourné en France. Meilleure guérison à lui, hein, Ali, si tu nous écoutes. Et donc, il y a Oumar Koulibaly. Je ne sais pas, Drissa ou Souleki qui peut nous donner des informations sur ce gardien. Oh, c'est un gardien du club olympique du COB. Et c'est qu'il a pris la place du titulaire cette année. Mais il faut reconnaître également que c'était des performances en intermittence. Hein. Et parfois bon, parfois mauvais. Même si au finish, il y a un aspect également sur sa performance parce que le COB a été relégué en seconde division. Mais en tout cas, c'est quand même un garçon également qui a de la valeur. Je pense qu'il était là depuis le début, même s'il n'avait pas le poste de gardien numéro 1. Mais au moment de la... Je crois que si j'ai bonne mémoire, il était à la CAN, hein, Soulé. Tu peux nous Non, corriger, il hein? n'était pas à la CAN. Il n'était pas à la CAN. Donc c'est après la CAN, les matchs amicaux qui ont débuté, qu'il a commencé à être là, c'est vrai. Mais en tout cas, je pense que c'est sa performance contre l'Ouzbékistan, si je ne dis pas de bêtises, qui a joué en sa faveur récemment, où il a été présent sur certaines actions. Et là, je pense que voilà ce que je peux dire sur lui. En tout cas, c'est un bon garçon, respectueux également. Je pense que le côté respect là est un facteur également que le coach également prend en compte. Voilà ce que je peux dire sur lui. Un peu. Voilà, donc Drissa, côté gardien. pour ajouter un peu, il a été formé au Lakika, tout comme le gardien titulaire Lassine Diarra. Les deux ont Ah, été ok. formés au Lakika. Voilà, Drissa a parlé de ses performances, il faut le dire. A souligné encore aussi, il a la taille aussi, il faut le dire. Voilà, il a la taille. Et ce qu'il a montré aussi, Ibrahim, lors des deux derniers matchs amicaux, voilà, ça a prouvé à tout le monde. Je pense qu'Ibrahim, tu en as parlé sur ce plateau-là, hein, de ce C'est vrai. gardien-là, la dernière fois où il avait joué. Je pense que c'est une place méritée parce que la dernière fois où l'équipe voyageait, il y avait pas le gardien titulaire n'était pas avec eux. Lassine qui était blessé du doigt. Voilà, donc il a pris cette place-là. Sinon, à la CAN, les trois gardiens qui étaient là, c'était Lassine Diarra, Alkhalfa Koulibaly et Madou Diakité qui jouent du côté de l'Italie. Donc, c'était les trois qui étaient présents lors de la CAN. Il y a eu des matchs aussi où Oumar est venu quelquefois dans les matchs, mais il n'était pas titulaire. Donc, c'est lors des matchs amicaux qu'il a prouvé. Voilà, donc je pense qu'il est venu au poste de numéro 2 aujourd'hui de cette équipe-là. C'est ça. Donc, en fait, le choix des gardiens pour moi, il n'y a pas
n'y a pas vraiment de surprise. Hein. Maintenant, en Ouais, défense. même l'autre aussi, Ibrahim, il faut le signaler, c'est Hassan Chadaoui, lui il joue au niveau de l'Astral de Bamako. C'est un jeune que je connais il y a très longtemps, parce que quand Demba avait la charge de l'équipe nationale cadette, voilà, il a eu la chance de faire des tests avec l'équipe nationale. Voilà, c'est face au IREM qu'il a été éliminé. Donc depuis là, on savait qu'il avait un gros potentiel. Lui aussi pouvait montrer quelque chose. Lui aussi, son jugement, moi je le juge par rapport au match qu'on a vu avec contre les U20. Voilà, il s'est un peu débarqué aussi, il faut le dire. Hein. Voilà, parce qu'il y avait une discussion, j'avais même dit à Drissa la dernière fois, c'était entre lui et Ali Irango. Mais déjà, Ali, il était touché. Depuis le premier jour, moi, j'ai vu Ali, il boitait. Donc, moi, je me suis dit directement, c'est les trois qui vont partir. Et lui aussi, là, il a montré bonne impression lors du match amical contre les U20. Effectivement. Donc, tu parles du gardien réservé, c'est Hassan Oui, Diarra. il faut dire Hassan, voilà, que c'est là oui, en championnat. Et voilà, ça. Maintenant, ce qu'il faut ajouter, c'est que même en championnat, cette année et cette saison avec la Serie A, il a fait de belles performances. Je pense que ceux qui ont suivi beaucoup le championnat, c'est que c'est un gardien qui est présent, et donc qui est présent sur sa ligne. Et voilà. Non, en tout cas, c'est un beau gardien. Je crois qu'on a eu le débat avec Soulé lorsqu'on regardait la séance d'entraînement pour nous dire bon, qui va être là parmi les trois gardiens, ainsi de suite. Je crois que nuit était la blessure Ali. de Irango. Je Ali. crois que c'est Irango qui partait quand même, hein, à mon avis, avec son expérience un peu. Mais là, vu que lui l'a éliminé et qu'il est obligatoire d'avoir un gardien parmi les réservistes. Donc, je pense que si les quatre sont sélectionnés, si un est éliminé, donc c'est pour ça qu'il est là. Effectivement. Donc, voilà pour les gardiens. Hein. Donc, pas trop de surprises quand même. Donc, au niveau de la défense, c'est les mêmes hommes aussi hein, sur lesquels le coach s'appuie depuis longtemps. Hein, avec Ibrahima Cissé, Ahmed Diomandé, Mamadou Tunkara, Mohamed Lamine Cissé, Aminu L'Arabie. Diallo. Oui, l'Arabie, L'Arabie. Mohamed L'Arabie Cissé plutôt, Amidou Diallo et Fode Doucouré. Hein, donc, toujours ce choix hein, d'utiliser Fode Doucouré comme latéral gauche, probablement. Mais c'est les mêmes hommes, c'est l'équipe qui a fait hein, le dernier tournoi. Ousmane, réaction alors sur cette défense? Non, mais je pense que la charnière, ben, en fait, la défense d'une équipe, c'est l'endroit où on doit le moins toucher. Et c'est l'endroit où on doit avoir le plus de sécurité. Donc je pense que déjà qu'il a créé un groupe qui ressemble beaucoup à celui de la CAN et avec celui qui connaît depuis un moment, je pense que c'était un petit peu logique qu'il n'y allait pas avoir beaucoup de changements à ce niveau-là. Et d'autant plus qu'on n'a pas l'occasion d'avoir beaucoup de joueurs, vu qu'il y en a que 18, il a pris l'essentiel. Après, voilà, et je pense que depuis la CAN, même, ils voulaient de Tunkara, ils n'avaient pas pu l'avoir. Après, il y en a un, par contre, que je connais très peu, ou à part le match contre le Japon, je ne peux pas dire son niveau, c'est l'Arabie. Mohamed l'Arabie, tu sais. Ouais, Mohamed Larabi Cissé, je pense que même au Mali, il n'est pas forcément très connu. On n'a pas eu l'occasion, pour le moment, à part sur un ou deux matchs amicaux, de pouvoir voir ce qu'il vaut. Donc, je pense qu'on va un petit peu voir son niveau aux Jeux Olympiques. Maintenant, c'est clair que, voilà, quand je vois le nom du club qui joue, j'ai pas besoin d'être un pro pour savoir que c'est pas en MLS. Donc, je sais pas, il joue dans quelle division. Mais à mon avis, si le coach a compté sur lui, c'est que ils ont vu des qualités en lui. Donc, j'espère qu'il les démontrera. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est une défense cohérente et là, pour le coup, il n'y a pas de surprise. Non, il n'y a pas assez de surprises hein, quand même. Moi, je pense que Et il y a une c'est question, il y a une l'espace. question, il y a une question pour Soulé. Oui, Quoi? c'est quoi? Il y a Eh beaucoup bien, de voilà trucs la qui sont question. passés. Hein. Je ne trouve pas la Il y a question, Andressa. Toumani Sidibé qui demande à Soulé et Yanko. Non, Yanko, il Ouais, n'a pas bon, beaucoup joué aussi, Yanko, hein. ouais, Lassine Soumaoro, on était ensemble hein, au Maroc. Il a fait les éliminatoires pareil au niveau de la défense. C'est vrai, toi aussi, tu Aujourd'hui. amènes la question. Tu vois mon nom et puis tu amènes la question. Ah, Je n'ai Drita, pas la question, trouvé c'est à celle-là. toi. Au lieu de me demander, c'est à toi. Ah, tout C'est temps. incroyable. Soulé, vas-y. Donc, Ibrahim, pour parler de la défense aussi, l'autre, ce que Ousmane a dit, c'est vrai, Mohamed Larabi Cissé, voilà, c'est le public sportif l'a découvert hein, lors du match amical, il faut le dire, comme pratiquement tous les journalistes, on sait qu'il joue à Penn State aux États-Unis. Mais lui, je pense que son point fort,
C'est deux choses. Il joue dans l'axe, il est capable de jouer dans l'axe et capable de jouer aussi sur le côté. Donc, je pense que c'est l'un de ses points forts. On l'a vu là-bas. Mais son grand challenge, ça sera aussi, comme il a dit, hein, ça sera au niveau des Jeux Olympiques. On va faire sa découverte là-bas. Maintenant, à part ça, je pense que, hormis ça, à entendre le sélectionneur Alou Badara Diallo Conti, il a parlé de Fodé Doucouré et l'autre. Fodé, on sait que lui aussi, il est capable de jouer sur les deux flancs. Ahmed Doumbandé, n'en parlons pas. Lui, avec son engagement et sa détermination, lui, il est capable même de jouer en 6 aussi. On sait que c'est quelqu'un qui frappe beaucoup aussi. Donc, il a misé sur la continuité. Mais si c'est aussi, il faut le dire que depuis le premier match, lui aussi, il était touché. Et malheureusement, on n'a pas pu avoir aussi l'état de sa santé parce que le médecin n'était pas présent aujourd'hui à la conférence de presse. Moi, je me demande, est-ce qu'il va bien ou pas. Mais en tout cas, hier, quand même, quand je l'ai vu au niveau de Kabbala, voilà, il marchait correctement. Hein. Bon, je ne sais pas s'il est guéri tout à fait à 100%. Tu parles de quel Cissé? Ibrahim Cissé, de la défense. Voilà, on parle de la défense. Ibrahim Cissé de Charles 04, quoi. Voilà, c'est de lui que je parle. Voilà. Donc, à part ça, je pense que l'ossature est là. Hein. Il n'y a pas eu de changement au niveau de la défense. C'est non, sûr. En fait, je crois que le doute, c'était entre Mohamed Larabi et Daouda Diakité. Maintenant, c'est que Daouda Diakité, c'était son premier rassemblement avec le groupe, il faut le reconnaître. Mais moi, dans ma tête, en défense, je pense que Conti, il a beaucoup de garanties, à mon avis, hein, avec ses joueurs Doumbandé, Ahmed, sur le côté. Parce qu'il a gagné, il a joué avec eux, il a gagné avec eux, et il a égalisé des buts avec eux. Maintenant, c'est vrai que dans la construction de jeu, Mohamed Larabi Cissé, avec son pied gauche, il peut jouer sur la largeur demander à un latéral gauche de métier et faire le centre et participer dans la construction de jeu. Maintenant, je ne suis pas sûr dans ma tête quand même qu'il part avec. Parce que Conti, il s'est beaucoup basé sur la polyvalence. Polyvalence. Et là, ça me donne une idée que voilà, il va aller sur la base du concret, c'est que ceux qui ont performé quand il a... Il faut dire seulement, il va partir à Fodé Doucouré à Mel Doumbandé. Voilà, oui, il n'y a pas de surprise. Voilà, justement, donc c'est pourquoi à la défense, il n'y a pas de surprise. Parce que à la CAN, celui qui était là-bas, c'était qui? Mohamed Yaya Dindo? Non. Où ça? Latéral? Oui. Non, c'était Fodé Doucouré? C'était Fodé Doucouré? Non, je veux dire, dans la liste de la CAN, il n'y avait pas... Ah oui, oui. Il était là-bas, il était présent. Il était présent à la CAN. Mais il n'a pas joué. Parce que, oui. En termes de qualité de jeu, pour défendre et apporter sur le plan offensif, ces deux-là avaient de l'avance sur lui. Et quand on regarde également les deux matchs, sinon les trois, que Mohamed Larabi a également participé, je pense qu'en termes d'apport offensif, c'est pas en tant que ça. Et sur le plan défensif également, il doit y faire beaucoup. Peut-être que lors du rassemblement, quand même, il a montré des choses positives, il faut le reconnaître, lors des matchs amicaux. Mais je crois que, voilà, en tout cas, il n'y a pas de surprise, à mon avis, également, à la défense. Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas assez de surprise. Hein. Donc, on va continuer. Hein. Donc, au milieu, maintenant, au milieu, 5 joueurs, c'est un peu juste, hein, je trouve, 5 joueurs. Donc, il y a Koli Sakho, Issouf Sissoko, Boubacar Traoré El Fenon, Salam Jidou, Moussa Diakité, qui sont dans le groupe. Et comme réserviste, il a Mohamed Mamadou Ba. Mohamed Lamine Ba. Et aussi Fadi S. Koulibaly. Donc, Souley Drissa, peut-être vous pouvez nous parler un peu de Fadi S. Koulibaly, hein. Comme lui, c'est un joueur du stade malien et qu'on ne connaît pas forcément. L'honneur revient à Souley, qui l'a suivi depuis bon. Du Nord. Hein. Fadi, comme Drissa l'a dit, moi, je l'ai connu quand il était à l'USPA, avant de passer par le Djoliba et le stade malien de Bamako. Ibrahim, lors de la CAN 2019, je l'ai eu à le dire ici, hein, sur ce même plateau-là. Hein. J'avais dit à l'époque, si on avait deux Fadi Sidiki sur le terrain, même à 8 contre 10, on allait gagner le match contre la Guinée qui nous avait battu à l'époque 3-1. Vu son engagement,
la détermination. Voilà, sa rage de Mais c'est vaincre. quel profil? C'est une sentinelle ou c'est un 8? C'est quel joueur? Non, il joue 6. Il joue 6. Mais après cela, il faut le dire, après ça, il est passé par le Djoliba. Il a été sélectionné avec l'équipe nationale A, il faut le dire. Donc, le voir ici, sur cette moi, je ne suis pas surpris, hein, surpris de le voir sur la liste là. Je sais que c'est un bon guerrier. Mais attention, c'est moment dernier, il prend trop de cartons. C'est vrai, son poste où il joue, c'est un poste ingrat, il faut le dire. Mais il prend trop de cartons. Donc, il va falloir qu'il corrige ça un peu. Sinon, vraiment, dans l'engagement et la détermination, c'est un très bon joueur qui est bon à la récupération. Même les oppositions qu'on a eues ici à faire à Bamako, c'est contre les U20. Je pense qu'il était là. Et il est rentré, le premier match, il était titulaire. Le deuxième match, il est rentré comme remplaçant. Donc voilà, il court beaucoup, il court vite sur le terrain. Et c'est un très bon 6. À défaut de Mamadi Djamou, il n'y avait pas d'autre choix. Hein. C'était Fadi ou l'autre, Moussa Diakité, qui est à Cadiz aussi. Qui lui aussi, dans son profil, aussi, il peut jouer au niveau de la récupération. Et il peut jouer aussi au niveau de 8 box-to-box. Donc, comme Drissa l'a dit, le coach a amusé plus sur la polyvalence, quoi. Voilà. C'est ça. Maintenant, Ousmane, on va parler quand même d'absents hein, notoires au milieu, hein, avec l'absence de Djambou. Djambou qui était quand même un cadre, hein, les grands joueurs de la CAN, hein, U23, il faut dire, c'était un des messieurs qui ont marqué cette CAN. Et aussi Gaucher, hein, Gaucher qui était l'âme un peu de l'équipe. C'était un joueur qui a beaucoup mouillé le baillot, hein, ça, il faut dire, c'est un battant. Ousmane, est-ce que le Mali va souffrir de l'absence de ces deux joueurs? Bon, je pense que je dirais pas qu'on n'a pas perdu au change parce que ce sont quand même des joueurs comme Djambou qui aujourd'hui est un international. Ah, et bien sûr qu'on a perdu, quand même un joueur important parce que malheureusement, quand on regarde notre équipe, je n'ai pas, à part El Fellow, il y a très peu de joueurs qui ont eu l'occasion de jouer en A. Et quand on regarde les autres équipes, ils ont beaucoup de joueurs qui ont joué en A et qui ont l'expérience du très haut niveau. Donc, bien sûr qu'on perd un Djambou, mais malheureusement, c'est le jeu de tous les pays. Si le club n'a pas voulu le libérer, on était prévenu de la situation. Après, je pense que de toutes les manières, selon moi, quand on regarde cette équipe, malgré tout, la force de cette équipe, ça reste encore le milieu de terrain. Parce que certes, on en a que 5. Certes, on en a 5, mais que ça soit Issouf Sissoko, Kolisako, Salam Djidou. Voilà, Salam Djidou. Il y a qui encore? Mais après, le seul par contre que j'ai un petit doute et une réserve, c'est Moussa Diarra. Parce que malheureusement, en Liga, j'ai pas eu l'occasion. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir en Liga, mais moi, je ne le connais pas. Moussa Diakité, pardon. Moi, j'ai pas eu l'occasion de à Cadiz, c'est ça. Hein. Oui. Voilà, moi j'ai pas eu par j'ai pas eu l'occasion de voir. Première, hein, Voilà, donc vu que j'ai pas eu l'occasion de le voir, je peux pas vraiment me prononcer sur lui, mais la qualité des quatre autres déjà, si on a retrouvé un grand Salam de ce que j'ai cru entendre par rapport à la conférence de presse aujourd'hui, ben je pense que quand même ça reste notre point fort. Donc c'est dommage. Mais ça ne serait vraiment pas là où je m'alarmerais par rapport au fait qu'il y ait des absents. C'est sûr. Moi, j'ai un avis un peu plus différent. Bon, c'est vrai, quand tu regardes le coach, en tout cas, Djambou et Gaucher, en tout cas, le fait que Gaucher ait quitté le groupe, ça lui a vraiment touché. Parce qu'il a dit c'est un joueur qui a participé à presque tous ses matchs. Et c'est un joueur qu'il pensait avoir dans sa main et autour duquel passaient presque beaucoup de ses actions offensives. En fait. Maintenant, là, le seul, il a parlé de Djambou. Djambou, c'est le coach qui l'a dit en conférence que c'est le sentinelle qu'on parle, le vrai sentinelle, c'est Djambou. Parce qu'on a vu son apport et sa valeur au sein de cette équipe également. C'est vrai que quand tu regardes un peu les milieux de terrain, ils ont, à part Salam, ils ont le même profil. Même si bon, Fino c'est beaucoup plus supérieur que les autres, il faut le reconnaître. Mais moi, honnêtement, bon, Salam il est là, je ne doute pas de ses qualités, mais j'attends encore beaucoup plus de lui parce que je crois que j'ai échangé avec Soulé. Voilà, je pense que j'ai échangé avec Soulé, que ce soit lors du premier match ou lors du second match. Honnêtement, je le dis à cœur ouvert, il m'a pas beaucoup
beaucoup impressionné. Parce que c'est Salam, quand il était jeune et quand il était cadet ou autre, qui me restait en tête toujours. Mais non, c'est pas la même personne. Voilà, donc c'est un garçon qui a. Maintenant, en termes de comportement, tout, le coach l'a dit en conférence de presse, il a évolué tout. Il est aussi, il est responsable aujourd'hui. Mais là, je pense qu'il doit encore nous montrer. Parce que tout qu'on fait, hein, quand tu regardes les milieux de terrain convoqués, à part Gaucher, il est celui qui vient après en termes de milieu offensif. Maintenant, je crois que c'est. Excusez-moi, je reviens, j'ai une urgence. Donc, vu que Gaucher n'est pas là et qu'il a sa chance, on espère qu'il va être le Salam qu'on connaît de lui. Moi, je ne doute pas de ses qualités, mais j'ai pas beaucoup. Il m'a pas impressionné lors du match. Non. Drissa, moi, je te donne raison parce que ce qu'on a vu, il faut, si on doit juger la performance de ces jeunes-là, on les juge par rapport aux deux matchs qu'on a vus. Ça, c'est une logique. Voilà, c'est pas le Salam de quelle année, je veux dire, de 2017 hein, jusqu'à nos jours, il faut le dire. Mais moi, je pense que déjà, même si ce n'est pas le même Salam, mais moi, il y a un atout qui est là. Je pense qu'il n'a pas perdu ça. Ça, ce sont ses frappes en dehors des 18 mètres qu'il a osé tenter lors du premier match. Donc, ça veut dire que déjà, il y a quelque chose encore qui est sous ses pieds. Il y a de l'envie qui est là. Parce qu'aujourd'hui, Salam, c'est un challenge pour lui, hein, il faut le dire. C'est un challenge pour lui aujourd'hui. C'est vrai qu'il joue en Algérie, donc il doit tout prouver aujourd'hui, montrer au public sportif malien qui le connaît, qu'il a beaucoup suscité, hein, voilà, quand il était avec les cadets et en junior. Voilà, donc que c'est le même Salam qui est là. C'est à lui maintenant de démontrer tout sur le terrain. Ce n'est pas le même profil que Gaucher, mais c'est le seul profil aujourd'hui qui part offensivement devant avec le ballon par rapport aux autres milieux. C'est vrai que Koli aussi souvent, il part, mais on sait qu'il souffre. Dans son rôle avec Girondin de Bordeaux, c'est soit 6 ou 8. On sait qu'il n'arrive pas trop à dépasser les 18 mètres, il faut le dire. Elfeno, pareil, lui aussi, il peut jouer en 6, il peut jouer comme en 8 aussi. Moussa Diakité, c'est pareil, hein. Lui aussi, c'est un 6, il joue aussi 8. Donc, on a beaucoup de joueurs à vocation, appelés approximativement au niveau défensif qu'offensif. Pratiquement, il est le seul. Sauf si que on ramène, peut-être qu'on va arriver au niveau des attaquants, sauf si qu'on ramène Ibrahim Diarra au milieu de terrain, parce que lui aussi il est capable, c'est un joueur polyvalent, de jouer en position de 10 ou bien jouer aussi sur les côtés aussi. Donc il y a cette possibilité là aussi pour voir. Voilà, donc c'est ce que je voulais ajouter. Et surtout pour Salam aussi, je pense que. Ouais. Non, il y a. Ouais, bah, Ousmane, pareil, après tu vas rebondir. Exactement, va avec Salam, après je vais répondre à la question. Ah oui, non, c'est juste, je voulais rapporter une précision en plus, c'est que je pense que Salam aussi, il a aussi une revanche à prendre du fait que les Jeux Olympiques, c'est en France. Il a pas eu l'occasion de se montrer en France, et j'espère qu'il aura ça en tête pour se dire que voilà, aujourd'hui j'ai une vitrine qui était inimaginable il y a encore 3 mois, de pouvoir montrer dans la compétition, on va dire, presque aussi grande que l'Euro, et qui est une compétition mondiale aujourd'hui, de montrer son talent. Donc j'espère que pour toutes ces raisons-là, il aura une double motivation. Ouais, bon, c'est vrai, parce que c'est pourquoi je dis, et moi je ne dis pas qu'il n'a pas de la qualité, c'est pourquoi je dis, quand tu regardes le profil des autres milieux de terrain, c'est lui, comme celui vient de l'évoquer, qui a plus un profil assez offensif, plus que les autres. Maintenant, et n'eût été malheureusement ce qui s'est passé entre Chappé et le staff technique avant la CAN. Je pense qu'aujourd'hui, en termes de milieu offensif, en termes de qualité puissance, en termes d'effort physique, en termes de mobilité, il y a un garçon comme Saka Sidibé Chappé également qui pourrait apporter quelque chose. Mais malheureusement, hein, et je crois que vu ce qui s'est passé avant la CAN, à maintenant, donc. Ouais, bon. Il y a beaucoup de choses. Si on veut parler d'échapper, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Tout d'abord, voilà. Comme Bouna Bati vient de le dire, hein, un garçon comme Saka Sylvie Chappé, sur le plan offensif, il pouvait apporter beaucoup. Et, en tout cas, mais malheureusement, donc, suite à des. Moi, je qualifierais d'incompréhension et de punition. Il faut tourner cette page-là. Voilà, faisons avec ce qu'on a ici. Voilà. Donc,
Allons-y avec ce qu'on a, parce que le dossier chaque action, normalement, c'est un meneur de jeu, on le connaît. Mais moi, les performances que j'ai vues, je suis en train de juger en fonction des deux matchs amicaux, comme on est en train de juger les autres également. Sinon, personne ne doute de sa qualité. Hein. Non, on n'a pas douté. On n'a pas. Mais je l'ai évoqué tout de suite là. Je l'ai dit, il n'a pas perdu tous ses repères, il faut le dire. Il n'a pas perdu tous ses repères. Et une compétition aussi, il faut le dire souvent, comme on a vu Emiliano Zue, tout le monde a été surpris hein, à la CAN, qu'Emiliano Zue vient terminer à la tête des meilleurs buteurs. Donc, il y a tout ça. Il y a quelqu'un qui peut sortir du lot. Voilà, c'est une compétition, tout peut arriver. Salam, on n'a pas douté de ses capacités, mais on dit seulement. Après Monaco passé en Algérie aujourd'hui, ce n'est pas la même personne. Mais le coach, il a si bien dit, il a mûri. Voilà, donc il a appris de ses erreurs, tout. Maintenant, c'est un challenge pour lui. C'est à lui maintenant de démontrer si on lui donne sa chance. Bon, moi, personnellement, pour les milieux, hein, quand même, j'aimerais un peu réagir sur ça. Cette liste me laisse un peu sur ma faim. Parce qu'avec l'absence de Gaucher et Djambou, j'aurais aimé voir des joueurs de la sélection A venir renforcer. À ce niveau-là. Parce que je trouve que on n'a pas une sentinelle qui est très fiable, en fait, dans ce groupe, parce que je pense qu'il va passer avec Issouf ou avec Diakité comme sentinelle. Issouf, c'est un très bon joueur, mais Issouf n'a pas une grande durabilité. C'est un joueur qui se blesse beaucoup, hein, il faut le reconnaître. Est-ce qu'il peut tenir réellement tout un tournoi? Je ne sais pas. Diakité, on l'a vu quelques bouts de match, mais on ne sait pas si c'est une vraie sentinelle qui est solide, un joueur qui peut donner un rendement suffisant. Donc, Fadi S. Koulibaly, là, c'est un joueur, bon, il y a beaucoup de choses positives qu'on nous dit sur lui. Donc, au cas où il se blesse ou autre, on touche du bois, on ne lui souhaite pas, mais quand même, il faut reconnaître qu'il se blesse souvent. Peut-être que c'est Fadi qui est en réserve. Mais moi, j'aurais aimé avoir un peu de certitude à ce poste de sentinelle qui est très, très important dans le jeu. Ensuite de cela, Salam, c'est un garçon, comme on dit, il nous a impressionnés, mais ça fait quand même 6 ans ou 7 ans qu'on ne l'a pas vu à l'œuvre. Qu'est-ce qu'il vaut réellement? Parce que personne ne suit ses matchs. Personne ne voit le championnat algérien. Donc, pour moi, l'absence de Gaucher, on aurait aimé avoir un Camori à ce poste. On aurait peut-être même aimé avoir un Néné, quelqu'un qu'on a un peu plus de certitude, quoi. Donc, moi, ces deux absences là, de joueurs cadres pour des joueurs sur qui on passe compter à 100%, j'espère me tromper, hein. Il peut faire un gros tournoi et me faire taire. J'espère qu'ils vont me faire taire. Mais c'est un peu. Ça me laisse un peu sur ma faim. J'aurais aimé avoir quand même des solutions un peu plus fiables dans ce milieu. D'autant plus, Ibrahim, pour rajouter quelque chose. Si on regarde bien l'équipe de la Guinée, est-ce que vous êtes conscient que finalement, ils ont leur milieu de terrain titulaire en équipe A? Ils ont Abdoulaye Touré, ils ont Naby Keïta, ils ont Agibou Camara, ils ont Kourouma. Ouais, ce sont leurs joueurs. Hein. C'est leur sélection. En fait. C'est leur joueur de l'équipe. Hein. Donc, on a, pour moi, c'est le milieu d'habitude, c'est notre point fort. Mais là, pour moi, c'est la plus grosse interrogation que j'ai quand je vois cette liste. Mais je peux me tromper. Voilà. Donc, on va continuer. On va analyser maintenant l'attaque. Du côté de l'attaque aussi, ben moi, je trouve qu'il n'y a pas trop de surprises. Hein. Cheikh Na Doumbia, qui était quand même l'un des meilleurs joueurs à la CAN U23, qui revient. Demba Diallo, ben, quand tu vas chercher un renfort, c'est pour le garder dans l'équipe. Hein, donc, il est présent. Wilson Samake, c'est un joueur aussi qui a intégré le groupe, qui a su s'imposer et plaire au staff. Brahima Diarra, cadre de l'équipe. Tiemoko Diarra, cadre de l'équipe. Issoufi aussi en réserviste, hein, comme il était un peu à la main. C'est un joueur qui venait du banc. Donc, pour moi, il n'y a pas trop de surprises. Maintenant, certains vont parler de Fili Traoré. Je pense que Fili, son problème, il ne s'est pas vraiment imposé aussi hein, dans les matchs. On ne l'a pas senti. Hein. C'est vrai qu'il a de grosses stats dans le championnat congolais. Mais dans les matchs qu'il a fait, moi, je ne l'ai pas trouvé aussi déterminant que ça. Hein. Peut-être que c'est ça qui a... Bref, tu as vu juste. Mais en parler de ça, c'est très difficile, il faut le dire. Oui, parce qu'au final, la sélection, c'est sur la production hein, footballistique. Voilà. Ouais, mais Ibrahim, après, si on veut rentrer dedans, j'ai pas envie de mettre en porte-à-faux de certains joueurs et avoir l'impression qu'on critique certains joueurs. Mais si on parle de ce qu'ils ont démontré, en même temps, l'attaque du Mali, des U23, depuis la CAN, c'est pas celle qui a montré le plus de qualité. Parce qu'au final, certes, on n'a pas fini dans cette équipe,
Mais si on prend joueur par joueur et qu'on prend les matchs que nous on a vus, sans compter ce qui a été fait à l'entraînement, il n'y a pas forcément un joueur qui est plus sorti qu'un autre, hein. Moi, j'ai pas vu un match où j'ai vu un super Cheikh Ndoumbia ou un super. Pourtant, je suis content qu'il est là par rapport à son passif, parce que je sais de quoi il est capable. Pour plein de joueurs, on sait de quoi ils sont capables. Mais si on se base dans les nouveaux pour compter sur ce qui a été produit, moi, personnellement, je me pose la question par rapport à Philippe, parce qu'aujourd'hui, surtout l'argument de Philippe, c'est qu'aujourd'hui, il nous a sorti une saison qu'aucun Malien sur le plan international, même si on va parler du championnat congolais, du niveau, n'oublions pas que le TP Mazembe, c'est l'une des plus grandes équipes en Afrique. Pas que forcément dans le championnat congolais, en Afrique. Maintenant, c'est vrai qu'ils sont un peu plus en déclin qu'il y a quelques années, mais ça reste le TP Mazembe. Et au-delà de ça, il a été recordman de buts sur toute l'histoire du Congo, et ne pas au moins être dans les réservistes, ça pose quand même question. Parce qu'on va prendre Issoufi Maïga, mais si à moins que je me trompe, est-ce qu'il ne joue pas en troisième division au Portugal, quelque chose comme ça? Oui, bon, moi, Le VPFT. Voilà, donc qu'est-ce qu'il a montré ce. C'est pas le même profil, quoi. Non, c'est pas le même profil. Parce que Philippe Issou, c'est pas le même profil, en fait. Mais Philippe, Ah. ne peut pas jouer sur les côtés. Après, c'est vous qui pouvez Non, me il est dire, hein. plus Mais moi, j'ai rapproché. l'impression qu'il Non, peut jouer bon, sur le fond de la moi, balle. le Philippe que je connais, c'est un avançant. Je suis le Non, côté, je pense moi, pas c'est que un ça soit avançant. son fort, parce que Non, moi, c'est un joueur qui n'est pas trop c'est un bon du joueur ball au avançant. pied. C'est un joueur de surface. C'est un joueur de surface. Et de vous à moi, à part le passif, parce que si on parle des performances et qu'on dit qu'il faut que Philly soit productif quand il a été là, de vous à moi, en étant honnête sur les attaquants qui sont là en numéro 9, il y a des attaquants qui ont montré plus que Philly sur la saison, parce que c'est pas en match, on parle de la saison. Il y a des attaquants qui ont montré plus que Philly sur la Non. saison. Vous, peut-être que vous avez une autre lecture. Moi, en tout cas, Moi, je peux forcément, réagir à ça. Si vous ouais. voulez, je veux réagir, j'aimerais réagir. Ibrahim, Oui. juste, vas-y, après je Voilà, moi, passe. ce que je veux dire, si j'aurais appelé un Mamadou Camara, moi, de Kevili, parce Ouais, que voilà, c'est déjà. le meilleur attaquant de moins de 23 ans qui joue. Non, qui joue et qui marque des buts. Exactement. Maintenant, dans cette liste, qu'on se dise la vérité, il y a deux avant-centres, hein. Il y a Cheikh Ndoumbia et Wilson Samake qui jouent dans l'axe. Voilà. Maintenant, dans ces deux joueurs-là, moi, je trouve que sans avoir été impressionnant ou autre, moi, je trouvais que Wilson était meilleur que Philly. Philly, je l'ai pas vu faire une bonne production, en fait, avec cette équipe. Non, Parce qu'au en fait, final, là. Oui, il y vas-y. a un aspect qu'il ne faut pas oublier. C'est que le sélectionneur, quand il Laisse-le prend. terminer, après tu prends. Voilà. Ah, ok, peut-être je suis un peu en Au retard. final. Ibrahim, pardon. Ouais, Je voilà. Au pensais que tu as final, là. terminé. Voilà. Au final, un joueur, tu regardes la production, tu appelles tes joueurs sur leur performance en club, mais tu regardes leur production sur le terrain. Moi, je trouve que Wilson, quand il joue, c'est vrai qu'il ne se crée pas 10 000 occasions ou autres, mais il combine mieux avec les autres. On ne voit pas qu'il y a un déficit technique quand il a le ballon. Cheikh Ndoumbia, c'est un garçon, on connaît ses qualités, hein, c'est un très bon attaquant. Même si c'est vrai que sur le match amical que j'ai vu qu'il a joué, là, je l'ai un peu juste physiquement. Mais maintenant, Philly, sur les matchs qu'il a fait avec cette équipe, je ne le vois pas bien jouer, en fait. Je vois qu'il a beaucoup de lacunes techniques, en fait. Et je ne le vois pas bien combiné, en plus, avec les autres. Donc, si je devais choisir deux attaquants, ben, je ne l'aurais pas pris, hein, très honnêtement. Je ne suis pas en vouloir au coach. Hein. Maintenant, est-ce qu'il y avait d'autres attaquants à prendre? Peut-être hein, qu'on aurait dû peut-être prendre un Mamadou Camara, qui était un joueur plus confirmé, qui a moins de 23 ans. Ou même prendre un attaquant de plus de 23 ans, qui est confirmé, qui peut aider ce groupe. Mais maintenant, si dans cette liste, je ne le vois pas avoir prouvé plus que ceux qui sont là, en tout cas, peut-être que je peux me tromper, mais voilà. Donc, Drissa, tu peux rajouter ce que tu veux. Non, honnêtement, t'as des références là, c'est là-bas où je me dis également où la différence a été faite. Parce que quand tu regardes, on a tous, parce qu'il était performant, c'est pourquoi il a été demandé beaucoup de gens en parlaient, mais il a été sélectionné. Mais après, ce que tu fais en club là, c'est ça que les gens également aimeraient voir en sélection. Mais là, finalement, c'est ce qui n'a pas été le cas. Maintenant, le match amical qu'il a joué face à l'Ouzbékistan, les deux matchs, on a vu ce qu'il a prouvé. Il n'a pas été convaincant. Ensuite, je crois que ce qui a été même déterminant, à mon avis, c'est qu'en écoutant le coach en conférence de presse, il a dit qu'il y a le match amical contre les U20 qui a posé le problème à son équipe,
a été déterminant de faire et faciliter son choix sur certains postes. Je pense que la performance qu'il a faite lors de ce match-là, mais je te dis, je n'étais pas le seul. Que ce soit coach, journaliste, tout le monde était unanime que, franchement, c'était pauvre. Je pense que le coach, il était dans tous ses états ce jour-là. Je pense que c'est ce jour-là, il a dit, mais on t'a donné 60 minutes contre l'Ouzbékistan. Après, on te donne 40 minutes. Après, on te donne 45 minutes face au U23. Mais on veut voir le meilleur de toi, ben, tu ne montres rien. Si on se bat sur ça et en partant et qu'au finish, comme Ibrahim l'a dit, il y a tous ces déchets techniques-là, c'est des options ou des déchets techniques qui favorisent également l'adversaire plus que ton équipe. Et je pense que c'est là-bas où... Mais je peux vous poser une question. Quand tu fais un choix et que tu veux faire un choix, et que parmi les choix, celui qui est venu derrière, tu te retrouves avec Chekina, qui a déjà prouvé. Tu as ça dans tes mains, qui a appelé Wilson, qui a montré également certaines choses, parce qu'en termes de buts, quand tu regardes 20 buts en National 3, c'est presque le niveau de... C'est plus, à mon avis, c'est plus le niveau du championnat de RDC. C'est pas un manque de respect, à mon avis, parce que c'est plus de... Ibrahim, je peux parler, moi. Vas-y, moi, je n'ai rien à dire. À mon avis, si tu as deux joueurs sur ta main et que le troisième, tu as besoin de lui, qu'il prouve également qu'il est meilleur que les deux qui sont là et qu'il ne parvient pas à performer, à arriver à leur niveau, je pense que le choix, il est fait. À mon avis, c'est ce qui fait la différence. Pourquoi il n'est pas là? Ibrahim, moi, je partage vos avis en deux. D'une part, je suis entièrement d'accord avec Ousmane. Aujourd'hui, c'est le meilleur buteur. Rien à dire. Qu'il prouve aujourd'hui, avec ces deux matchs amicaux à Bamako ici, ou à l'extérieur, Ibrahim, le meilleur buteur, c'est ça que dans sa catégorie, Ibrahim, il doit être dans la liste. Mais le football, ce n'est pas de la mathématique pure et simple, hein, où 1 plus 1 égale à 2. Hein. Il faut qu'on se dise ça. Tu peux prendre un joueur, Ibrahim, l'amener, le faire des tests avec lui, deux matchs amicaux ou trois matchs amicaux, il ne donne pas. Mais tu l'amènes en compétition, Ibrahim, il peut te surprendre. Ça, il y a cette possibilité. Ça dépend. Moi, je vais voilà, non, ça dépend. Non, je ne sais pas de certains facteurs, quoi. Okay. Où ça peut changer. Aujourd'hui, meilleur buteur, Ibrahim, rien à dire. Moi, j'étais là avec Drissa Fili, je le connais depuis qu'il était au COB. Hein. Il a été formé à Bamako ici, on le connaît tous. Hein. Okay. On l'a dit, techniquement, ce n'est pas un joueur qui peut prouver beaucoup de choses. Si tu mises sur sa technique pour le prendre, Ibrahim, là, tu vas le lâcher carrément. Mais c'est un joueur de surface. Ah. Regarde le but qu'il a marqué la dernière fois ici, en match amical. C'était un corner hein, où il y a eu un cafouillage. Il était présent là, il a poussé le ballon dans les filets. Voilà tout ce qu'on demande à un attaquant, Ibrahim. On ne demande pas grand-chose, hein. Oui, il s'agit de marquer seulement. Je viens, s'il te plaît. Moi, je termine. Okay. Voilà. Donc maintenant, le choix du coach, c'est un choix fort qu'il a fait. Pour moi, s'il n'est pas dans la liste des 18, il pouvait être dans la liste, au moins des réservistes. Voilà ce que je parle. Maintenant, comparativement aux deux avancantes qui sont là, si on veut les comparer, on sait que Wilson a terminé pratiquement parmi les meilleurs buteurs de son championnat, hein, pour ne pas dire le meilleur buteur, hein, pour ne pas que je me trompe. Hein? Doumbia Ibrahim, si ce n'était que sa blessure, après la Coupe d'Afrique des Nations, on avait tous dit qu'il devrait quitter les Émirats Arabes Unis, hein, vu comment il se bat sur le terrain, vu tout ce qu'il a montré, voilà, en attaque et comme en défense. Donc, rien à dire. Mais si on veut prendre par le passé, par ce qui s'est passé dernièrement pour sélectionner, aujourd'hui, Chekna, il revient de blessure. On ne sait pas s'il va être au top au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations. Or, que tu as un joueur qui est au top et qui est en confiance, qui est parmi les meilleurs buteurs et qui a été le meilleur buteur d'un championnat. Voilà comment moi je vois les choses, quoi. Bon, le problème, c'est quoi? Moi, je vais répondre à ça sous les. Ousmane. Hein. Vous savez, vous, on est ce qu'on dit, c'est comme une interview de travail. Hein. Au début, on regarde vos CV. Mais on fait le choix sur ton interview, en fait. Tu peux avoir meilleur CV que quelqu'un, mais si tu n'es pas bon à l'interview, celui qui va mieux faire l'interview, il va être pris. Hein. Fili, je l'aime bien, hein. J'aime ses statistiques, c'est un garçon, je pense qu'il a un profil qui est intéressant. Mais franchement, Fili, il a produit plus que Chekna et Wilson hein, sur le terrain. Hein. Je ne parle pas d'autre chose. Hein. Je ne dis pas qu'il y a eu des trucs exceptionnels, hein, mais sur les matchs que moi j'ai vus, quand même, ça, on ne peut pas mentir. Hein. Le football, là, comme on dit, là, et donc on a vu tout sur le terrain sa production. Moi je suis désolé, Wilson,
Il n'a pas marqué beaucoup de buts, il a marqué un seul pénalty. Hein. Mais quand il vient, au moins, il crée des situations. Il crée des situations. Chekne, il crée des situations. Philly, il ne crée pas, il crée rien. En tout cas, les matchs qu'il nous a montrés, là, il n'a rien créé. Mais on sait de quoi il est capable. Il ne crée pas, il marque. Moi, je veux dire, alors, dans ce cas-là, ma part de vérité à moi, pour ma part, je pense qu'il y a des joueurs qui ont eu des accords avec le coach et ils étaient sûrs d'y aller avant d'être dans les 18. La vérité. Il y a des joueurs qui étaient sûrs d'être dans la liste. Maintenant, si en vrai, on veut partir sur 45 minutes, sur 60 minutes pour dire qu'on doit choisir un joueur pour le prendre, ça, c'est une détection de National 5, ça, en France. Aujourd'hui, ce Larabi, si c'est qu'on le veuille ou non, personne ne peut nous dire que c'est sur sa production qu'il est là. Je pense que les accords qu'il a eus avant d'arriver là l'ont mené à ici. Parce qu'il y a une forme de confiance quand tu parles avec des joueurs et que tu essaies d'avoir des binationaux. Qu'on se dise la vérité, il y a des joueurs avant la liste qui savaient qu'ils allaient y aller. Quand on parle de Mamadou Camara et ses performances, même Mamadou Camara, si on prend ses performances et qu'on parle de niveau de championnat, il est au-dessus de tous les attaquants qui sont là. Mais je pense que si les attaquants ils sont là, c'est qu'ils ont discuté avant lui avec le coach et de par la confiance que le coach il a eu avec ses joueurs et la crédibilité de son discours font que Mamadou Camara n'est pas là parce qu'il n'y a pas eu la même discussion avec. Parce que faut qu'on soit clair, si on prend vraiment les raisons sportives pour donner les joueurs, il y a plein de joueurs qui ne seraient pas là ici. Non, donc il y en a beaucoup de joueurs qui sont là. Il y a beaucoup de joueurs qui sont là par rapport à leur passé. Il y a beaucoup de joueurs qui sont là par rapport à leur passé et qu'on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ceux qui peuvent produire aujourd'hui. Salam, ça fait beaucoup plus de temps que Philly, qu'on ne sait pas ce qu'il devient. Et la preuve, vous l'avez dit, sur les deux matchs, il n'a pas apporté. Quand on part comme ça, Ousmane, on risque de s'y tromper. Parce que moi, là, quand tu as une équipe, je pense que quand tu fais venir un joueur, c'est pour apporter un plus. Ou bien tu apportes un joueur, c'est pour qu'il soit également au-delà, ou bien il prouve qu'il soit au-delà de ce que tu as sous ta main. Moi, c'est comme ça, moi, je comprends les choses, hein. Je peux me tromper. Maintenant, dans la mesure où tu as déjà un qui t'a prouvé, qui t'a fait gagner, qui est là, certes, il a été blessé, je suis d'accord sur ça, mais qui t'a pas non plus, qui n'a pas non plus été mauvais avec toi, entre guillemets, tu as un autre qui vient sur ce même poste, qui devrait être sélectionné pour une autre nation, avec une autre nation, mais qui a accepté quand même de venir jouer avec toi, mais qui a également prouvé et qui est là. Mais tu appelles un troisième et ta performance de ce que tu as sous ta main et que tu amènes ce joueur, il ne parvient pas à te porter satisfaction comme les deux qui sont là. Tu fais quoi? C'est la question que je pose. Ben moi, personnellement, je dis pas que Philly aurait dû être pris plus que les autres, mais en fait, c'est juste quand on parle de critères, je pense que c'est pas forcément juste qu'on part sur ces critères-là, parce que finalement, en deux matchs, je vais donner un exemple, Drissa. Il y a des joueurs qui font des saisons. Il y a des joueurs qui font des saisons incroyables et qu'on apprend à la liste, qui sont dans la liste de l'équipe de France ou de l'équipe d'Espagne ou de l'équipe de je ne sais quoi. Donc, il y a certains joueurs qui sont pris par rapport à leur saison et finalement, on n'est même pas sûr de ce qu'ils vont montrer en équipe nationale. Mais si on prend Philly et qu'on lui tend presque un piège sur 40 et 60 minutes en lui disant « tu dois être plus fort sur 40 et 60 minutes que des joueurs à qui on a donné des garanties », mais c'est presque mission impossible. Bon, moi, à un moment donné, il faut être réaliste. J'aimerais rebondir, Ousmane. Moi, je pense que tu as cité les cas de l'Arabie Cissé, hein, et moi, je peux rajouter à ça Moussa Diakité. Moi, je trouve que les quelques matchs que l'Arabie Cissé a fait, il a montré qu'il pouvait être serviable pour l'équipe, que ce soit dans l'axe ou sur le couloir gauche. Moi, j'ai rien vu. Je veux pas être honnête, j'ai rien vu. Non, moi, il n'a pas crevé l'écran, mais il n'a pas été un point faible de l'équipe quand même. Ensuite, Moussa Diakité. Ah, donc Philly a été un point faible. Moussa Diakité non plus. Mais moi, je trouve que Philly, sur les matchs qu'il a fait là, je l'ai trouvé en dessous des autres joueurs, hein, sans qu'ils aient été exceptionnels en plus. Donc moi, il faut bien qu'on prenne quelqu'un. Tu ne peux pas demander à un entraîneur d'aller à une compétition
Il a eu des joueurs avec qui ils ont tous joué. Hein, ils ont tous joué. Et celui qui est le moins bon parmi ceux qui ont joué, d'être pris. Parce qu'en réalité, tout ce que tu fais en club, là, c'est difficile de comparer les joueurs et leurs performances parce qu'ils ne jouent pas dans les mêmes championnats. Voilà. Donc, on ne sait pas réellement les buts qu'ils marquent là-bas en championnat du Congo. Hein, parce qu'ils ne marquent pas beaucoup non plus en Ligue des Champions. Hein. Ce n'est pas comme s'il était le meilleur buteur de la Ligue des Champions de la CAF. Hein. Donc, voilà. Donc, il a fait une bonne saison. Mais dans quel contexte tu places ça? Moi, je l'ai trouvé moins bon que ces autres joueurs-là, hein, très franchement. Et le maître réserviste, avec le système de jeu que le coach a et la petite santé aussi de Issouf Sissoko, hein, moi, je prendrais effectivement deux milieux de terrain hein, parce que je ne sais pas si Issouf va faire tout le tournoi. Donc, du coup, je joue en Et bien, il 4-4-2. joue avec tout le tournoi. Je Il l'espère, je est bien l'espère. portant. Non, je l'espère. Je l'espère, mais tu regardes l'historique d'un joueur aussi. Tu te dis, si jamais il se blesse, il n'y en a plus qu'un 6 en Ouais, il n'y Ligue a 1. pas, mais Ibrahim, Voilà. je pense que toute la moitié de cette saison jusqu'à aujourd'hui, il ne s'est pas blessé. Hein. Non, Voilà. Souley, si tu dois faire ta liste, si tu dois faire ta liste, tu vas être sûr que si tu as un joueur qui se blesse jamais, toi, tu sais que lui, c'est un homme de fer. Mais quand tu as un joueur qui est quand même, qui a une propension à se blesser, tu vas essayer de doubler tes 6. Au cas où il est blessé, tu vas avoir un 6 titulaire et un 6 sur le banc. Donc, au moins, tu vas prendre deux Non, mais milieux. Tu il joues souffre en son profil 4-3-3. même. C'est vrai qu'il peut jouer 6, mais son profil, ce n'est pas le 6, c'est 8. Il souffre jouer en 8. Oui, mais comme C'est pour ça que il j'ai dit, l'associe en équipe tu vois, nationale, là, Issouf voilà, est plus bas avec. que Elfeno. Et ouais, Donc, mais tu sais, il souffre, c'est la génération avec les Djambou. C'est Djambou qui était leur 6. Il souffre était. Il souffre jouer en 8, non, hein. mais dans le jeu de Conti, Issouf est plus sentinelle qu'Elfeno quand il joue dans l'axe. Les matchs qu'il a joués, en tout cas, il était plus reculé. Donc, si tu prends ça, tu joues en 4-3-3, tu as besoin d'un ailier un homme de couloir, au moins. C'est la même chose si tu as un de tes joueurs de couloir qui se blesse, tu fais comment? Donc, tu vas mettre un homme de couloir sur ton truc. Et bien évidemment, tu as besoin d'avoir un gardien remplaçant quand ton gardien va se blesser. Donc, tu veux que je prenne qui? Je suis obligé de sauter un attaquant. Donc, si je sorte un attaquant, ben, les trois que j'ai, je vais prendre le moins performant des trois. On ne va pas enlever Wilson qui a quand même mieux joué que Philly. On ne va pas enlever Chekna qui a quand même été un des meilleurs joueurs de l'équipe. Pour moi, c'est quand même On parle. difficile pour lui. Antanya Febre, En tout cas, c'est un débat quand même qui est là. Maintenant, il y a des facteurs également qui, moi, dans l'analyse, qui va falloir prendre en compte. C'est que d'abord, on était en fin de saison. Après ça, les joueurs, ils ont eu quand même 6 ou 8 jours avec le coach. Dans les séances de travail, il a pu superviser et voir la performance de tout un chacun, que ce soit en entraînement et dans la truc. Ensuite, ils ont été vus en match. Il y a tout ça là qui rentre en compte. Nous, bon, c'est vrai, le choix, il est toujours critiquable, mais moi, à mon avis, c'est sur la base des performances vues avec l'équipe en question. Bien Et sûr. malheureusement, voilà, mais malheureusement, peut-être que, tu sais, le football également, quand le Ibrahim, sélectionneur ou bien le Driba. coach te donne une opportunité, une chance, si tu ne la saisis pas, ben, tu perds ta chance, entre guillemets. Bon, je pense que c'est ce qui lui est arrivé. Maintenant, on ne doute pas de Ouais. sa qualité de buteur. Hein. Il a marqué beaucoup Non, de même buts. pas, Il a même marqué le pas. but. Mais C'est-à-dire, bon, en tout cas, il y a un choix même à faire en avec. fonction des opportunités offertes. Avec C'est ça. les équipes de jeunes, là, je vais vous raconter une anecdote. Hein. Peut-être que vous allez rire. C'est un exemple, quoi. Regardez. De votre génération de I20, là. Non, que ce soit avec les U20, oui, et puis même avec les U23. Regarde, à l'époque où Diangkat Sama Diarré, il était le meilleur buteur de la Ligue 2. On l'a amené au tournoi. Il est parti aller-retour, 0 but marqué. Moussa Koné, qui était à Bougouba, il a terminé le meilleur buteur du championnat Ligue 1 avec 20 buts. On est parti au tournoi une fois en Mauritanie, 0 but marqué. Donc tu vois, il y a ces anecdotes là. Mais ça a beaucoup parlé. À l'époque, quand Mourle est parti en 2019 à la Coupe d'Afrique des Nations au Niger, il est parti sans Abdou Salam Guidou, qui était en forme. On a beaucoup parlé, mais il est parti, il a remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Moi, je préfère que ce soit ce cas-là pour filer. Ah C'est ça que moi, je ben, demande pas. ben, ben pour le coup, on espère tous que ça soit ça. Après, chaque liste est Voilà. critiquable et chacun a une vision
d'une liste. Voilà. C'est forcé qu'on peut pas être d'accord sur tout, hein. Aujourd'hui, Conti, avec le respect qu'on a pour lui, je pense que c'est un très très bon coach et j'ai beaucoup de respect pour son travail. Je pense que s'il l'a pas choisi, il a son explication qui est beaucoup plus claire que la nôtre. Nous, on a une explication, on a limite une explication de l'extérieur. Les Comment? choses bizarres, personne n'a posé la question en conférence de presse. Ouais, Non, peut-être, parce ouais. que voilà, il y a 20. Je dis, en Quelle conférence, il y a des explication, de choses toute façon? qui peuvent sauter. Ça arrive le plus souvent. Moi, je me suis rendu compte, après avoir posé ma question, je me suis rendu compte. Or que bon, on ne donne Mais qu'une seule question. moi, ça m'est venu en tête, Voilà. honnêtement. Ben regardez, ben moi je vais vous donner encore moi aussi mon anecdote, par exemple, qui est pas vraiment du foot professionnel, mais moi, par exemple, j'étais entraîneur du Mali l'année dernière à la CAN de chez moi, et pour vous dire, J'avais sélectionné Mamadou Camara qui devait jouer en attaque avec moi. On joue les deux premiers matchs contre le Mali et l'Algérie, on perd. Contre le Mali, l'Algérie et la Côte d'Ivoire, on perd. Mamadou, il revient pour le dernier match. On me dit, mais Ousmane, pourquoi t'as pris ce Mamadou Camara? Je leur dis, mais les gars, vous pensez que nos petits joueurs de bac à sable, là, même si je savais qu'il n'allait pas être là pendant 2 semaines, j'allais prendre le risque de ne pas le prendre. À la fin, on s'est retourné en disant, tu n'aurais pas dû le prendre si tu savais qu'il allait en vacances. Donc, au final, les gens, quand ils n'ont pas d'explication derrière, forcément, ils se font des imaginations. Parce que Ouais, quand ça c'est ça. réussit pas, eh ben, on dit, t'aurais dû. Voilà. Non! Ouais, exactement. Moi, C'est comme le c'est cas comme ça. de certains joueurs qu'on ne voit pas aujourd'hui. Beaucoup ont posé des questions, beaucoup sur les réseaux, surtout sur les réseaux. Ils disent que ouais, Gaucher a refusé de venir, Camoura a refusé de venir, telle personne, or que c'est les clubs. Moi, Gaucher, j'ai dit aux gens, Gaucher, il était là en préparation en début, il a fait 3 jours, hein, le troisième jour, il est parti. C'est l'un des meilleurs joueurs de cette équipe-là, il faut le dire. Hein. En 8 matchs, il a marqué 4 passes décisives. Voilà, il est parti pour son contrat. Lui, si ça n'était qu'à lui, il allait retourner venir jouer avec cette équipe-là. Le coach, moi, il m'a surpris aujourd'hui en parlant de Bissouma. Moi, je ne savais même pas qu'il avait la tête à Bissouma. Il avait dit que Bissouma avait accepté, mais son manager n'a pas accepté. Donc voilà, il y a beaucoup de si et de si et de si et de si, quoi, qui sont posés sur les réseaux sociaux par rapport Bon, à certains cas. Mais voilà, donc il y a tout ça qui est là, quoi. les si, là. Il faut laisser ça. Aujourd'hui, là, la sélection, elle a été faite. Mais Voilà, on là, se concentre sur ça. beaucoup déjà, après, ils vont dire non. Aujourd'hui, il faut faire un choix. C'est que, il y a beaucoup de joueurs, hein. On va dire, tout le monde va dire, bon, si tel joueur était là, si tel joueur était là, si tel joueur était là. Mais je pense qu'aujourd'hui, si le coach il avait la possibilité de choisir 25, il y a d'autres joueurs qui allaient être, il y a Philly qui allait être sélectionné. Les gens allaient parler de Mohamed Yaya Guido qui a 28 buts, qui n'est pas sélectionné. Ils C'est allaient ça, parler d'autres exactement. voilà, ils allaient parler d'autres joueurs qui ne sont pas là. Mais finalement, c'est une liste restreinte de 18 joueurs. Et quand on regarde en fonction des matchs qui ont été joués et les matchs amicaux, la liste elle est pratiquement faite. En fonction de ça, à l'exception de, je crois, Demba et choses. Ouais. Non, il est parti sur une base même, Drissa. Sur les 18, si on prend les 22 joueurs, il y a 12 qui étaient à la CAN avec nous. Il y a 12 qui étaient à la Voilà. CAN. Donc, on peut dire que pratiquement il y a 70% de l'ossature qui est là. Donc, les autres sont venus. Comme lui-même l'a si bien dit, il y avait le plan A, le plan B, le plan C. Donc, voilà, il y a l'ossature qui est là, Ibrahim. Donc, on peut pas cracher sur la liste. Là, mais comme Ibrahim, si toi tu fais la liste, moi je vais trouver un point. Si Ousmane le fait, moi je vais trouver un Ouais, point. c'est Donc, c'est normal. toujours comme ça. C'est normal. Aujourd'hui, Mais... oui. Non, moi, Mais ce que je aujourd'hui, voulais je dire, pense c'est que que... Voilà, vas-y, la si tu voulais, sélection a après, été je faite rebondis. déjà. Voilà. Voilà. Maintenant, moi, ce que je veux dire, qu'on avance dans le débat, hein, c'est... Bon, la liste est faite, ça, c'est certes. Mais maintenant, où on peut situer cette équipe aussi dans ce tournoi-là? Parce que moi, Il faut pas moi, beaucoup pour de monde. moi... Moi, personnellement, hein, je pense que l'équipe, elle n'est pas, sur le papier en tout cas, elle n'est pas très forte. Hein, parce qu'il faut se dire la vérité, à la Ah CAN, non, déjà, c'était juste. Hein, beaucoup de matchs étaient un peu juste, c'était laborieux. Hein. Maintenant, on a perdu des éléments importants de la CAN. Je ne sais pas si on les a remplacés. Hein. Donc, non. moi, Non, pour être honnête, je suis très prudent par rapport aux objectifs de l'équipe, parce qu'on parle d'une médaille ou autre. Moi, j'aimerais déjà sortir des poules. on n'a pas un Et effectif pour la médaille, bon. hein. Faut qu'on soit honnête, on n'a pas un effectif pour la médaille. Et on s'est mis des bâtons Ouais. dans les roues. Non, mais c'est la vérité. Laisse J'ai dit Tanguy être l'effectif. avec nous.
Après la production sur le terrain, c'est autre chose. Ça se trouve qu'ils vont nous sortir des gros matchs et qu'au final, on sera médaille d'or. Hein. Mais au niveau qualitatif de ce qu'on a pu avoir, et j'imagine qu'il a tout tenté. Mais là, même là où je pense qu'on sera d'accord, que pour moi, c'est une erreur, on a Ali Irango qui s'est blessé, qui était la possibilité du troisième joueur de plus de 23 ans, et je me rends compte finalement qu'il n'a pas été remplacé. Donc déjà qu'on a eu un problème, on a eu un problème de casting sur les trois. Finalement, on se retrouve qu'avec deux plus du 23. Quand tu prends même au comparatif nos équipes africaines, qui ont des Ben Seguir, des Hakimi dans leur équipe, le Maroc, j'ai déjà parlé de la Guinée. Moi, je pense qu'il faut qu'on soit honnête sur le papier, même sur les équipes du continent, on est loin, 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 loin d'avoir la meilleure équipe. Loin. Mais Ouais, Ousmane, une chose aussi. Oui, vas-y, Souley, vas-y. Ouais, non, moi je pense que l'équipe qui a joué la CAN et cette équipe, les niveaux ne sont pas les mêmes. Mais Ibrahim, s'il y a un point qui les lie, Ibrahim, ça c'est le cœur. Moi j'ai Voilà, toujours c'est dit ce que ça. je voulais rajouter, C'est ouais. le cœur. Voilà. Moi quand à chaque fois quand je les parle, c'est ce que je leur dis. Moi je les demande de penser à deux matchs, Ibrahim. Deux matchs. Vous êtes question de ces deux matchs-là. Le match Non. retour contre le Sénégal ici à Bamako. Et le match des demi-finales contre le Contre Maroc. Voilà, qu'on se réfère à ces deux matchs-là. Donc tout peut arriver. C'est vrai, on n'est pas favori, il faut le dire. Non, on n'est pas favori. Mais moi, je pense qu'avec le cœur et la détermination, on peut faire beaucoup. On peut faire beaucoup. Remporter. Mais les deux matchs, il n'y a pas Camouri, il n'y a pas Néné, on ne se qualifie Non, pas. mais à la CAN, il n'y avait pas Camoré et Néné. Oui, On n'avait bien pas sûr, Camoré et Néné à la CAN. oui. Oui, je Voilà. sais, Voilà. Donc, il y a ça aussi. Donc mais avec maintenant, Diambou, quand même. L'envie de ces jeunes-là, ce qu'ils me disent, moi je me base sur ça, et ce que le coach a dit, d'une part. Il y a une fierté qui est là pour le coach d'avoir ses enfants-là à main, être leur sélectionneur. Ça, c'est de un. De deux, moi je t'avais dit depuis très longtemps, Ibrahim, quand je parle avec eux, il y a une déception qui est rentrée parmi eux. Quelle est cette déception-là, Ibrahim? Depuis la catégorie cadette, ils n'ont pas pu se qualifier, alors que c'était de très bons joueurs. Il n'y avait pas ça. La CAN junior, à cause de la COVID, rien n'a pu marcher. Il devrait se rattraper où? C'était la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 23 ans. On n'a pas pu avoir la médaille d'or, mais on a pu avoir au moins une qualification pour les Jeux Olympiques. Et c'est cette mentalité qui continue jusqu'aux JO. Donc c'est pourquoi moi je crois, sincèrement, hein, moi je crois à ces jeunes-là. Il y a pas, on n'aura pas, on ne va pas avoir beaucoup de qualités de jeu, mais bien, je suis sûr qu'on verra la détermination et la rigueur sur le terrain. Effectivement, hein, sous les... moi, c'est un peu ça hein, qui me revient à l'esprit, c'est que le Mali, en fait, les meilleures performances qu'on ait fait sportivement, c'est quand on avait des gars qui jouaient avec leur cœur, hein, qui n'étaient pas forcément des grands joueurs, hein, qui étaient même moyens. On va voir la première médaille du Mali après Yaoundé 72, c'est l'année où on perd Momo Sissoko, on perd Mohamed Lamine, on perd Kanouté, on perd Mamadou Diarra Dila, qui étaient tous des tauliers hein, de notre sélection. Ben, on est allé avec le seul Cédric, avec Seydou Keita, avec beaucoup de joueurs moyens, hein, qui étaient des joueurs de cœur, hein, qui avaient le cœur sans être des grands techniciens. Et ben, ils nous ont donné une médaille qu'on n'avait pas eue depuis 1972. Donc, ces garçons-là, c'est vrai, hein, que ce n'est pas des artistes du ballon, hein, mais c'est des gars qui donnent tout sur le terrain, hein, et Mais la qui ont CAN, envie de c'est prouver pas les quelque chose. JO. La Non, CAN, c'est c'est pas sûr, les c'est JO. sûr. Ah C'est non, mais sûr, faut. donc bon. Moi, encore une Moi, j'ai fois, pas attention, d'objectif élevé, hein. Moi, j'ai les pas gens, d'objectif élevé, vraiment. les gens diront à la fin que je suis, voilà, j'ai, faut avoir confiance, faut avoir confiance. Mais Perceptible. faut Non. pas qu'après qu'on tous gâte, vous revenez dire, Ousmane, il avait raison. Il avait raison, finalement. Et vous commencez à insulter tous les joueurs. Moi, je pars avec beaucoup de pincettes parce que finalement, Moi, j'ai pas le groupe que d'objectif élevé. j'espérais, Non, moi, j'ai pas d'objectif pour l'équipe, hein. oui, voilà. J'ai pas Je d'objectif. sais qu'on aurait pu, je sais qu'on aurait pu avoir un groupe qui aurait pu mener à une médaille. Je le sais. On a les qualités. Je connais le niveau des joueurs et je sais ce que certains joueurs auraient pu apporter. Mais finalement, au vu de ce qu'on a pu avoir et surtout la peur que j'ai eue, c'est quand j'ai vu ce que les autres nations ont pu avoir. C'est là que j'ai eu un frein en me disant, voilà, Dieu est avec nous, on y va. Mais, Ousmane, pour cette fois-ci, tu n'auras pas raison. Moi, je vais te dire ça. On Inch'Allah. va parier. Tu n'auras pas raison pour cette fois-ci. C'est mon rêve. C'est mon Inch'Allah. rêve que j'ai pas raison. Qui Voilà, la gagne Inch'Allah. devant nous à Paris? Qui la gagne devant Je nous n'ai à pas Paris? venu dire que. Ça va venir dire après que Ousmane avait vu juste. Non, non, non. Il va dire, Souley, vraiment, Non, c'est petit à le montrer. truc, c'est qu'il ne faut pas qu'on ait des
objectif surréaliste, comme dire oui, s'ils ne prennent pas la médaille, là, c'est qu'ils ont mal fait. Voilà, justement. C'est ça mais, notre truc. Mais, on n'a pas une équipe pour la médaille, hein, sur le papier. Il faut dire à tout le monde qu'on a une équipe qui a du talent, qui a du potentiel. Mais il ne faut pas mettre dans la... C'est vrai, aujourd'hui, leur rêve, c'est d'avoir une médaille d'or. Tout le monde part à une compétition pour avoir... Non, Drissa, ils ont dit une médaille. Ils n'ont pas dit or. Ils ont dit une médaille. Il ne faut pas mélanger. On a dit une médaille et surtout dépasser le cap de 2004. En 2004, on s'est arrêté à la quart de finale. Les premiers ont décidé de dépasser ça. Dépasser les caps des quart de finale. Maintenant, le reste, ça sera des bonus pour nous. Non, je vois où sont les gens en train de battre. Et Ibrahim, faut faire descendre Drissa et Ousmane. Faut les faire descendre. Non, moi, le truc, c'est qu'il faut, il faut rester objectif et être humble. Hein. Moi, pour moi, question déjà de sortir des poules, parce que pour moi, c'est même pas facile de sortir des poules. Hein. Parce que nos adversaires, là, ils n'en sont pas meilleurs que... Ils ont de la qualité. Donc, voilà. Qualité, hein. Attends, on est dans une poule difficile. Il faut que les gens comprennent ça. Ouais. On a qui? On a le Japon, hein, qui a terminé... Le Japon, champion. Paraguay et puis l'Israël. Champion en Asie. C'est vrai, même si on s'était rencontrés, on les a battus 3-1. On a le Paraguay, champion d'Amérique. Mm-hmm. On a Israël, qui est demi-finaliste de l'Euro moins de 21 ans. On a nous, qui sommes troisième de la CAN. Donc, comparativement, parce que les autres, là, ils ont eu quand même un ou deux joueurs, même si les Paraguayens, la plupart, c'est des joueurs qui évoluent dans leur championnat. L'Israël, ils ont fait appel à qui même? À Glock. Les gars, ils sont obligés de vous laisser, hein, s'il vous plaît. Ils sont obligés de vous laisser. Il n'y a pas de problème sur eux. Mais en tout cas, il faut reconnaître qu'on est dans une poule qui a un niveau assez élevé. Maintenant, il ne faut pas avoir des envies démesurées pour dire on part pour remporter la coupe, tout. Il faut reconnaître qu'on a des effectifs qui sont au-dessus de nous. Maintenant, il y a un point que je partage avec Soule Ibrahim, c'est que cette équipe, elle a un caractère. C'est que quand elle est menée, elle fait tout son possible pour revenir au sport. On a vu ça, que ce soit un match amical, que ce soit un match officiel. On espère qu'elle sera animée par ça. Sinon, voilà. Mais il ne faut pas qu'on ait des envies comme ça pour dire que il y a ça. Ousmane, cette fois-ci-là, je vais aller chercher la médaille d'or. Hein. Donc, on est là. Tout le monde. Après, pour dire que c'est Drissa qui a dit qu'on va aller chercher la médaille. Là. Je n'ai pas dit ça. Ouais, non, c'est clair. Voilà, c'est clair. Je vais répondre à Abdoulaye Touré. Là. À Abdoulaye Touré, toutes les 5 minutes, tu me parles de Fernand Koulibaly. Bon, salut Fernand Koulibaly, hein, qui était héros de la CAN 94 et tous les anciens, hein, comme Bassala et Ousmane Farouta, paix à son âme. Hein. On est fiers d'eux, effectivement. C'était notre première CAN à nous. Hein. Donc, voilà, on les salue pour ça. Donc, voilà. Donc, on s'oriente vers la fin de l'émission. Hein. Donc, on a fait le tour avec la liste qu'on a pu revoir et décortiquer. Donc, on attend maintenant la suite. Hein. Quand on aura des détails sur le déplacement ou autre, on fera une autre émission en fin de semaine. Donc, Ousmane et Drissa, vos mots de la fin avant qu'on rende l'antenne. Ousmane, tu peux commencer après. Drissa va réagir. Non, ben maintenant, je pense que ça y est, la machine, elle est lancée. On a la plupart des groupes des effectifs de chaque nation. Aujourd'hui, on a eu la nôtre. Voilà, ce que je peux dire, c'est bonne chance à nos aigles, en espérant qu'ils nous font honneur, surtout avec toutes les désillusions qu'on a eues ces derniers temps. Je pense que mettre un peu de baume dans notre cœur, là, ça serait quelque chose de très bien. Donc, j'espère vraiment, surtout à Paris, avec le contexte qu'il y a ces derniers temps, surtout même entre la France et le Mali, et surtout qu'aujourd'hui, il faut savoir que le Mali sera à domicile, comparé à n'importe quelle équipe qui jouera les Jeux Olympiques, à part la France. Et même peut-être même la France, parce que j'ai déjà été à France-Mali, ici on était plus que... Donc oui, je pense qu'ils auront le public avec eux, et j'espère qu'ils auront l'occasion de nous montrer des belles choses et essayer de nous rapporter une médaille. Et dans le meilleur des cas, que ça devienne des R9,
aider Toni Kroos à la dernière seconde et qu'on gagne les Jeux Olympiques. Pourquoi pas? Inch'Allah, Ça Inch'Allah, marche. Idriss, à ta réaction alors, ton mot de la fin. Idriss, tu es là? Ouais, je suis là. Ouais, on demande ton mot de la fin pour l'émission. Bon, en tout cas, on salue tout le monde. Parce que bon, je crois que ceux qui nous lient, c'est le Mali, chacun a son avis. Et notre ambition, c'est que, voilà, que tous ceux qui sont sélectionnés, voilà, donc, aillent jouer avec le cœur pour le pays, pour ici haut le drapeau du pays. En tout cas, merci à tous, parce que c'est un avis qu'on donne. On n'est pas non plus des dieux. On peut se tromper. Merci. Et voilà, donc à la prochaine. C'est ça. Merci, Idrissa. Merci, Ousmane. Donc, je pense, comme on dit, on a tout dit. Hein. On est de tout cœur avec les aigles. Ben voilà, nous, on n'a donné que notre avis. Hein. Comme Idrissa a dit, il n'y a pas de perfection hein, dans ce qu'on dit. On se trompe beaucoup. Hein. Voilà, on l'a vu au dernier regroupement des aigles. On était à l'ouest. Hein. Donc, voilà, en tout cas, on va expliquer toujours l'actualité hein, de cette équipe. Et voilà, donc on vous donne rendez-vous vendredi et bonne semaine à tous. Bonne soirée. Africa Sport 24. Africa Sport 24, une nouvelle version de vous informer sur les réseaux sociaux. Africa Sport 24 sur Facebook et YouTube. C'est aussi le grain des aigles du Mali et d'autres informations sportives. Africa Sport 24, une émission préparée et présentée par Soule Koulibaly et Ibrahima Tungara. Avec Africa Sport 24, c'est vous informer autrement.